Carottes, pommes de terre, oui. Comment ça, j'ai pas la... J'ai pas la tête. Bon, qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Ah, d'accord. T'as tout balancé. C'est qui t'a mis au parfum? Sache que tu vas avoir une épreuve d'initiation pour savoir si tu es digne ou non de rejoindre l'épave tout ténébreux. Donc ça c'est toi qui verras. Je viens de penser à une blague. Bref, ouais, donc du coup, petite épreuve. Tu le sais, parce que rien ne me dit, vu ta gueule en plus, t'as pas l'air. Tu vois, voilà, t'es pas baraqué, t'as pas l'air. J'espère que t'en as là-dedans, que t'es un peu plus intelligent, parce que sinon, niveau de gros bras, déjà, la base de la base, tu ne vas pas me mettre très, très, très utile, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, vu tes bras. Ça peut s'arranger, je vais te donner après ce qu'il faut. Bon, écoute. L'épreuve d'initiation, ça va être simple. Demain à 11h, tu iras dans la voiture. Il y aura une voiture là juste à côté de la maison. Tu auras une voiture avec quelqu'un dedans, donc tu toqueras à la porte. Évidemment, je le connais. Et donc là, tu diras le mot secret pour eux. Savoir que t'es bien de la famille, enfin, t'es bien dans le coup, quoi. Et donc, le mot de passe, écoute bien, je te chuchote. Il va t'emmener dans un quartier d'un gang ennemi. Là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas taguer un maximum de leur graphe, un maximum de leur tag, tu retagues par-dessus. Ouais, voilà, c'est pas compliqué. Histoire de leur montrer que on se laisse pas faire, qu'on est toujours là, et que surtout on les respecte pas et qu'on prévoit de prendre cette partie du quartier. Influence. Donc voilà, c'est ça. Non, non, c'est pas du tout une bombe pour les insectes. Fais attention, arrête de faire le malin. Tu le vois celui-là? C'est bien. Tu comprends vite. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Et c'est moi qui pose les questions, pas l'inverse. Toi, t'obéis, c'est tout. Tu vas avoir une chance de peut-être monter. Déjà, il va falloir que tu rentres dans le gang, mais ensuite, si tu veux monter, il va falloir que tu fermes ta gueule et que t'obéisses. Exactement. Et si j'ai envie de faire des bruits, je fais des bruits, ok? Écoute, écoute.
faire. Je m'en bats les reins. Ça fait deux fois, on lui a déjà donné une chance. Non. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu prends les parpaings et t'accroches ça et puis tu balances ça. C'est un mouvement. Normalement, faut faire ça assis. Attends. T'as compris ou pas? Ah, ça, c'est compliqué, je sais. C'est parti, pas très lourd, je t'ai pris du 3 kilos.
C'est quoi le... Ça revient pas, de toute façon, vous allez pas courir, vous allez être posé. En espérant que vous n'allez pas être à courir, de toute façon. Vous vous garez derrière le pâté de maison, vous savez, vous mettez la voiture pas trop loin, puis vous devrez pas avoir trop de soucis. Du coup, sinon, ouais, je voulais aussi te donner, enfin, pour t'aider un peu plus, je vais te confier donc un kleps, un chien. Donc, je te confie Snoopy. Donc, tu iras le chercher là, il est. Attaché là juste après la porte. Enfin, quand tu sors après la porte, c'est à droite. Il y aura une poubelle et pas très loin, à côté du terrain de basket. Enfin bref, tu n'auras pas trop de mal à le trouver. Donc voilà, je te le confie aussi pour la mission. Donc c'est un chien extrêmement agressif. C'est un molosse sauvage, féroce, redoutable même, je dirais. Enfin voilà. Franchement, si avec la patte que je t'ai donnée, tu fais un peu de muscu. Et puis le chien, normalement, tu devrais pas avoir beaucoup de mal à mettre à faire ce que j'ai. Sécurité, on sait jamais si t'es pas.